Et bonjour à tous, ici Morgan von Brilan. Et on se retrouve de nouveau sur Rebels Inc. Si vous ne connaissez pas le jeu, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation que j'en ai fait. Et on commence donc cette petite série, on va se faire une campagne. Bitter Unicorn, j'aime bien ce nom, regardez ça. Méga brutal, non. Absolument pas le niveau. J'hésite, normal ou brutal? D'un côté, j'ai pas envie de tourner ça pour rien. De l'autre, normal. On va faire normal. Parce que je suis mauvais. Non, et puis surtout, la dernière fois, c'était assez facile, mais c'est parce qu'on était dans les champs de safran, qui est de loin la carte la plus facile. Et donc là, on se retrouve en mode campagne. Vous voyez sur l'écran à gauche, ils vont avoir 5 régions à stabiliser. Et chaque carte a des caractéristiques particulières. Là, par exemple, on a une pénurie de carburant. Les vitesses de déplacement sont nettement réduites. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Déploiement prolongé. Les soldats de la coalition augmentent nettement. Les soldats de la coalition peuvent être déployés plus longtemps, mais ils ne peuvent pas être prolongés. Les soldats nationaux sont entraînés plus vite, mais leur force est inférieure. Et frappe des ingénieurs, c'est une mauvaise traduction. Grève des ingénieurs. Et oui, parce que strike en anglais, c'est déjà frappe, et c'est déjà grève aussi. Grève des ingénieurs fait que les initiatives électriques sont beaucoup plus chères. Et ben, on espère que les gens ne seront pas inquiets au sujet de l'électricité. Donc on commence dans le désert du sud. Et comme vous le constatez, il nous indique qu'on aura déjà 40% de la région qui sera stabilisée. Plus on avancera dans la campagne, moins on commencera avec du contrôle de la région, et ce seront même les rebelles qui commenceront avec du contrôle de la map. Le choix des gouverneurs, il faut bien choisir, parce que tout au long de la campagne, chaque gouverneur et chaque conseiller ne peut être utilisé qu'une fois. Là, comme les soldats nationaux sont plus faibles, je pense prendre le général. Au chef de char, je suis pas super fan du chef de char, mais on est dans le désert, il y a beaucoup de zones ouvertes. On va prendre le chef de char. Comme conseiller, alors les conseillers c'est pareil, on ne peut utiliser chacun qu'une seule fois. On va prendre une urbaniste. Oh non, un ancien de village peut-être plutôt. Qui est... se prendre un chef militaire. Les gouverneurs, alors le gouverneur, l'acheteur compulsif et le pantin sont complètement inutiles, voire détrimentaux. Donc concrètement, on n'a que 3 conseillers de gouvernement. Donc pour l'instant, on ne va pas en prendre. On va se prendre le journaliste d'investigation pour contrer le chef militaire. Former des soldats nationaux sans soldats de la coalition, c'est un peu nul ça. Marchand d'armes. Augmenter la force des soldats nationaux pour compenser le malus de force qu'ils ont avec la tradition militaire. Et une experte en logistique qui sera très utile pour cette première partie. C'est parti. Bon, donc, il y a déjà beaucoup de zones qui sont déjà stabilisées. On va se mettre là. On prend notre ouverture habituelle. Représentant de secteur, approvisionnement effectif. Et avant de prendre le recensement régional
qui fera exploser notre inflation, on prend les initiatives d'éducation. Et on lance. Donc, le chef de char, il a des unités militaires spéciales. Mais là, ce sont des chars. Les chars ont beaucoup d'inconvénients. Ils ne peuvent pas entrer dans les terrains difficiles comme les montagnes ou les forêts. On a beaucoup de terrains plats, donc ça va. Ils réduisent le soutien de support où ils sont parce que bah, les chars, ça fait du bruit, ça pue, ça fait peur, ça abîme les routes, ça nique les champs. Donc la population locale aime vraiment pas les chars. Les chars ne peuvent également pas apporter de soutien aux autres aux unités militaires adjacentes, mais ils sont extrêmement puissants. On est dans une zone aride, donc on va tout de suite prendre l'approvisionnement en eau. On va ouvrir la débat sur les infrastructures. Et on va prendre de l'anticorruption. Grotte vite découverte à Foxtrot Mike. Ah, donc ça c'est un truc qui peut apparaître. Les grottes, si les rebelles s'en emparent, il devient assez difficile de les en déloger. Donc là c'est bien, au moins c'est dans une zone qui est stabilisée. Les insurgés ont extrêmement peu de chances d'apparaître dans les zones stabilisées. Ils peuvent y apparaître, mais ils préfèrent largement les zones pas stables. Merde, c'est pas ce que j'aurais dû prendre du tout. Je voulais prendre le bureau de contact. Bon, bah on a le bureau d'affaires étrangères. C'est utile. Et plutôt qu'à faire, on va prendre la justice universelle. Voilà, donc avec le chef de char, donc nos premiers soldats nationaux sont des chars, ensuite on a des infanteries normales, et nos deux premiers soldats, nos soldats de la coalition pardon, sont des chars, et nos deux premiers soldats nationaux seront des chars. Donc sa cour de conduite avancée, pour limiter les dégâts sur les routes et structures, on va pas prendre ça tout de suite, c'est pas nécessaire. Confiscation de carburant, on va plus vite, mais bah, la population aime pas qu'on leur pique leur carburant. Les chars sont plus lents également. Ah, évidemment, la population t'inquiète au sujet de l'électricité, alors que ça coûte plus cher. Route, beaucoup de routes normales. Vache. On va améliorer les routes principales pour l'instant. Ah. On va tout de suite envoyer notre char. On va prendre l'électricité maintenant et il va nous falloir de l'anti-corruption ensuite. Ah merde. Il y a un camp ici, donc on va aller le détruire. Évidemment, à l'instant où je me retire de cette zone-là, ils entrent ici, mais moi ici, ils sont faciles à détruire. Droit des femmes, réforme complète. Personne ne se plaint. On va bouger plus de la coalition et de l'anticorruption. Voilà, il y a des trucs qu'on a surgé. En vrai, on va pas les repousser. C'est très bien qu'ils soient confinés. Enfin, on va pas les exterminer, on va les laisser confinés dans ce désert. Il faudra commencer le déploiement de soldats nationaux bientôt. Ça c'est inacceptable, barrez-vous. Interdit. Faire button. Oh, déjà un truc de paix. Non, 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 la menace. On va vous péter la gueule. Et on va acheter tout de suite la police, la grosse police qui coûte cher. Y'a quoi comme inquiétude? Les inquiétudes, c'est déjà des emplois. C'est quoi? C'est des zones rurales. Oh là 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 là! Non! Daigo! Toujours attendre qu'il affiche la flèche avant de... Ouais, je sais.
faut attendre qu'ils affichent la flèche. Parce que c'est la flèche qui indique que c'est bon, vous avez gagné le combat, ils sont en train de se retirer. On va prendre des gains, disons. Espérer pouvoir installer. Ouais, là c'est pas incroyable, mais on va prendre. Ah, il y a un camp ici, c'est très bien. Alors c'est très bien qu'on l'ait trouvé. Et on va prendre le développement de l'élevage. Voilà. Waouh, et ici on est en train de perdre. Oh. Envoyer un soldat de la coalition en soutien. On va... Il y a ouais, beaucoup d'inquiétudes au sujet des emplois, mais ça c'est bon, on l'a débloqué. On va devoir prendre plus d'anticorruption. Et ça y est, on commence à repousser les rebelles ici. Et ils sont en train de venir ici. Interdit. C'est quoi comme route ici? C'est de route normale. On va débloquer, je pense, les autoroutes. Et il y en a combien de corruption? Voilà. On va commencer le déploiement de nouveaux soldats nationaux. Voilà, barrez-vous! Enfin, on a réussi à repousser les rebelles en bas. Et on va pouvoir détruire leur camp. On va augmenter la vitesse de déplacement de soldats nationaux. Et commencer le recrutement d'unités de soldats nationaux normaux. Ne faites jamais le recrutement de plus de deux unités du même type en même temps. Parce que ça ralentit grandement. Il faut augmenter la force de soldats nationaux. Bah continuer de les menacer. Oh, une garnison ici, c'est parfait. C'est parfait, 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 parfait. Inquiétude au sujet des emplois, toujours. On va mettre un peu de fourniture médicale. Et quelques sentiers. Et il va falloir faire une purge aussi. Dès que possible. Voilà. On n'a même pas débloqué les drones ni les frappes aériennes, c'est pas nécessaire. Ils sont bien confinés dans ces trois zones là, on est bien, on est confortable. Essayons de discuter. Et... On va même commencer à pousser. Un tout petit peu. Vraiment les confiner à ces deux zones là. Excuse des insurgés. Plus d'anticorruption. On a beaucoup trop de corruption là, c'est pas tolérable. Là je pourrais finir les exterminer. Mais je vais pas le faire. Pour la simple raison qu'en fait, si on élimine complètement la présence des insurgés, ça augmente grandement le risque qu'ils apparaissent autre part. Je veux plus de sécurité et on va purger la corruption. Ah! Qu'est-ce que je disais? Ah, il y a un camp qui est apparu là! Les salauds. Heureusement, on va pouvoir les complètement les éliminer ici. Ah, et ils sont cachés dans les grottes. Donc il va falloir qu'on débloque les tactiques des grottes. On va prendre des interprètes et guider l'assistance civile. Les ingénieurs auront toutes les armes, bien sûr. Une garnison ici, c'est très bien. C'est parfait. Les forteresses indéfiniment. On va faire banque de développement, subvention des zones reculées. Parce que ce sont bien des zones reculées qui nous restent. Ah, tiens. Autre inconvénient des unités de chars, ils ne peuvent pas déployer
les... On ne peut pas déployer les initiatives. On va commencer à les repousser. Ça a l'air plus de médical, des toilettes, des droits fonciers. On va rejeter l'offre. Déploiement de la soldat de la collection bientôt fini, ouais. On va débloquer des drones quand même. Et soutien civil, voilà. Les garnisons augmentent le niveau de soutien. Aïe 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 aïe, quand ça va partir un peu partout, on va... Ah oui, c'est vrai! Je ne peux pas les... Je ne peux pas allonger leur déploiement dans cette... ce scénario. Aïe aïe aïe. On va augmenter le niveau de sécurité et la force des soldats nationaux. Ah là, c'est un gros problème. Je suis obligé de les renvoyer à la maison. Je n'ai pas le choix. Ce qui fait perdre la réputation. Aïe aïe aïe. On va prendre les. On va devoir prendre les frappes militaires là, c'est bien urgent. On commence à détruire leur camp. Femme pilote fait la une, c'est formidable. Et quoi d'autre? C'est quoi comme type de route tout ça? On va améliorer peut-être les autoroutes. On va améliorer les garnisons. On va continuer de stabiliser cette région-là. Barrez-vous! Non, 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 laissez ma garnison tranquille. Les rebelles, les insurgés peuvent détruire vos... peuvent détruire vos garnisons s'ils prennent le contrôle de la région où elles sont. On va mettre plein de... Voilà, réduction de la polio et de la tuberculose. Télécom 1, voilà, ça fait exploser notre inflation. Garnison ici, si vous voulez. Ici, ça vient de se stabiliser, c'est formidable. On va commencer à la repousser. Protection contre les droits des femmes. J'affronte la critique. Niquez-vous. Plus de drones. Plus de fournitures militaires. Plus d'eau. Pression subtile sur mon rival. Voilà. On va exiger des concessions. Parce qu'il y a encore malheureusement trop... de Bellereux. Oh. D'accord, plus de frappes, plus de frappes. Niquez-vous. Où sont mes frappes aériennes? Mais non, mais pas là, sur les camps. Bougre d'âne, voilà. J'exige des concessions. Putain, je suis mauvais. C'est le terrain humain, plus de ça, moins de frappes sur les civils. Développement de tout et n'importe quoi. Voilà, destruction du camp. Voilà, sachant que les comment dire, ah, le traité de paix progresse beaucoup plus vite
quand il n'y a plus aucun insurgé. Phew! Eh ben, je suis mauvais. Voilà, c'est une victoire. En fin de victoire, je me choisis. Alors, toutes les deux missions, les insurgés gagnent un bonus. Les insurgés peuvent tuer des soldats nationaux et requièrent plus d'entraînement. Quoi? Les insurgés requièrent plus d'entraînement? Ou mes soldats nationaux requièrent plus d'entraînement? J'ai pas bien compris. Et moi aussi, à la fin de chaque mission, je vais me choisir un bonus char tout terrain. Les chars peuvent accéder à tous les terrains et y combattre. Tu me donnes ça après que j'ai pris le chef de char. Les experts augmentent la vitesse de traversée des zones adjacentes actuelles. Bof. Alors, tout ça est plutôt nul. On va prendre les scanners longue portée pour améliorer les drones. Et on fera la mission suivante au prochain épisode. Je vous dis au revoir à tous et à la prochaine.